Et ben voilà, c'est le retour de la revanche. On enchaîne sur la mission 13. Alors, d'après le petit thumbnail que je vois là, je pense que c'est celui qui va se passer dans la boîte de nuit. Et ça, j'en ai un souvenir très fort de ce niveau, si c'est bien de ça dont il s'agit, avec une direction artistique de bâtard. On vient donc de perdre notre acolyte Kat, qui a été buté dans le monde réel, de la réalité véritable, par les soldats du SWAT qui étaient en train d'attaquer le QG. Virgil s'est comporté de manière assez froide, et nous, on l'a super mal vécu, à la fois la mort de Kat et, je pense, les réactions de Virgil. Donc, que va-t-il se passer? Quel est le fuck? Eh bien, on va le savoir. Entre-temps, avant de relancer le stream, j'ai débloqué une nouvelle compétence avec le shotgun. Ce qu'est que Virgil vient de nous passer. Maintenant, je peux balancer des tirs chargés qui font des bombes. Ah! Say the name. Il y a des vivantes! Ou alors c'est un flashback. Ne nous emballons pas. Bon, Kat a été kidnappée par Mundus. Virgil. I don't know who you are or why you have been stupid enough to Et attack. maintenant, on va être fâché. But I know you mean something to this girl. So I suspect this girl means something to you. I also know that you are collaborating with Donc, the Mundus ne sait pas que Virgil est également un Néphilim. I want the Nephilim. You want the girl. We trade their lives. J'avais vraiment l'impression qu'elle avait été butée sur le coup. C'était exprès pour Interesting. nous faire de la tristesse. Mundus knows less than I thought. He knows my name, but that's it. C'est ça. Not that I'm your brother, nor that I'm Nephilim. She must have been strong to hold out. Oh, je suis humain, alors que mon frère, il est froid et détaché. But we can't save her. What do you mean? You can't seriously think that I would trade your life for hers. No, I'm not saying. Apart from the fact that you're my brother, you're the key to destroying I'm not saying we trade me for her. I'm saying we offer another trade. Mais c'est Not ça. for Mundus' mistress Lilith. Why would Mundus care about one of his whores because she carries his child? Je savais que ça allait venir dans l'histoire, ça. Elle est enceinte. Zakatin, là, sa succube. Donc, on va aller la kidnapper. Yes, I've heard that name. This is amazing. We have access to Mundus's unborn child? This is exactly what we need to get him out of his lair. No, we use this to save Kat. Dante, that's madness. You would risk the future of mankind for a girl. Ah, le bon vieux pragmatique versus idéaliste. We'll find another way to get Mundus. Dante. I am not abandoning her. Bah ouais. Espèce de méchante personne. I can see that. Okay. We'll do it your way, brother. There it is. Mundus's mistress, Lilith, runs an exclusive club downtown for high society. Sports personalities, rich kids. Les fameux écrans de hacker dans les jeux vidéo, quoi, et dans les films. Avec que des fenêtres d'os ouvertes. Turning them into soulless demon collaborators. Whoa, she'll be there tonight. You're not coming in. You're not on the list. Alors. Classique Dante. I am now. Oh là là. Voilà, le Dante originel de Devil May Cry aurait fait la même, mais aurait juste marqué Dante sur la liste. Mais là, comme c'est le Dante emo, goth, edgy, adolescent, forcément il marque Fuck you. Alors, la vieille catin. Not now. Hey,
Hey, parle meilleur. Ah bah oui. Forcément. On avait pas prévenu qu'il y avait Ariel Dombal dans ce jeu. Mundus will delight in me when I deliver his corpse. What do you think, little one? Should we play with him a bit first? Le truc dégueulasse. On y va. You wanna dance? Let's dance. Dante, son of Sparta. We don't normally let the sparrow rest in here, but I've been hearing so much about you. I'm dying to see what all the fuss is about. Oh, ça fait mal ça. Avec un bon gros indus derrière, c'est fort agréable. Y'a l'autre qui veut mettre de là. Alors, oui, alors toi maintenant je sais un peu mieux comment te battre. Ça, c'est assez plaisant aussi. Ah non, eux. Voilà. C'est là ta pensée. Ah, j'ai des spectateurs. Bonjour les spectateurs. Qui êtes-vous? Présentez-vous dans le chat. Or has this something to do with that scrawny little broken flower, I wonder? I'm here for you, Lilith, so get the fuck down here! Well, je viens te taper, Ariel Dombal! How can I put this? You're beneath me. Je vais le design. Hello, my beautiful creatures! Alors, c'est parti pour Murder on the Dance Floor. We have a special event for you tonight. Oui. Salut. So drink up, shoot up and place your bets. Voilà. Ah.
texte. Aïe. Alors jaune sur jaune, je t'ai pas vu du tout toi. Aïe, cessez. Ça va me fâcher là. De taper, mais si je te mets des roues dans ta gueule, ça marche pas bien. Cette musique est tellement cool, quoi, pour se battre. Oh, j'écoute du Combi Christ. Je connais pas très bien. Alors, est-ce qu'il y a des trucs à chercher? Je pense que oui. C'est ça. Alors, c'est ton club, mais d'abord, je vais lui explorer sa face et récupérer les trucs que tu essayes de me cacher. Allez, voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? J'espère que vous profitez quoi de cette direction artistique de Tarba. Alors, c'est bien gentil de me filer une porte là, mais où est la clé? Sérieusement, elle peut pas être loin, j'étais dans la même pièce depuis le début. J'ai pas bougé de cet endroit quoi. Où est la clé? En face? Là, il me la faut. Ah non, j'ai une clé! Oui! Les clés sont transportées d'un niveau à l'autre. C'est ça que j'avais complètement oublié. Je suis même pas sûr que je l'ai su en fait. Et comme j'avais récupéré une clé dans un niveau précédent, je peux aller ici. Alors, challenge. Juste tuer tout le monde? Ça devrait aller, non? Commencer par celle qui buff. Aïe, enfin. Ils sont assez forts quand même, hein. Tu vas crever, oui. T'as quoi comme barre de vie, quoi? Sérieusement. Eh ben voilà. Alors, normalement, les deux derniers. Eh non. Ok, c'est tendu. On retente. Aïe. Alors comment foncer? Le problème de m'occuper d'elle en premier, c'est que du coup, à ce temps-là, je me fais latter par les autres quoi. Alors d'ailleurs, une autre technique. Déjà, si je pouvais ne pas me prendre. Ah, je m'en étais mieux sorti la première fois.
Ok. Oh, dégoûté. One hour later. Non. Oh non. Sur le dernier hit. Ah putain. One eternity later. 45 minutes. De mettre des coups de poing dans la gueule des gens. Oh mon Dieu! Oh le temps que ça m'a pris! Oh! Ah. Eh mais putain. Ah puis en plus j'ai ma jauge de plaine. Eh ben je prends. Oh la vache. Oh quel enfer. Mais bon. Je le savais. Je savais qu'à terme, je passerai cette séquence. Je regarderai le timer ensuite. Pour voir combien de temps ça m'a pris parce que j'en ai aucune idée en vrai. Eh ben, ça m'a foutu les nerfs dans un état. Bon. Eh ben on va pouvoir aller taper du boss. Après avoir passé, je sais pas, 35 minutes sur une zone bonus hyper compliquée. Alors au moins... Ah, j'ai gagné plein d'XP. Et une upgrade, alors. Faire plus de dégâts avec le gros flingue. Bon bah c'est bon, hein, je vais prendre... Voilà. De quoi me battre. Et bon, moi j'arrive avec une jauge d'Evol. Pleine. The devil has talent. Quite simple, Dante. Survive and you get an audience with yours truly. Which basically means I get to gouge your brains out myself. Fail, and both you and that little bitch of yours die. So they say you have the power of heaven and hell within you. Let's test them out, shall we? C'est ça. Le truc où il va falloir jongler entre les deux gâchettes. Donc voilà, en gros, quand le sol est rouge, il faut que j'appuie sur la gâchette de droite et j'ai accès au poing et à la hache. Quand le sol est bleu, il faut que j'appuie sur la gâchette de gauche. Fight! Ok.
quand le sol est bleu, faut que je change d'arme. Là, le sol est normal. Donc, je peux faire ce que je veux. Tellement d'idées. Ah! Tellement d'idées géniales dans ce jeu, quoi. Hop. Hop. Alors, round 2. 30 secondes. Sinon, est-ce que c'est l'instant kill? Je ne sais pas. Ah ouais, non, j'ai vraiment pas le choix, ouais. D'un autre côté, si j'avais utilisé le grappin correctement, je serais pas tombé. Je pense qu'on va y aller en mode « Je t'attire et je te mets des gros coups de poing ». Voilà. Alors, il y a les petits chérubins là. Voilà, ça c'est fait. C'est tout ? Il n'y a pas de deuxième vague ? Oh. I don't have time for this bullshit. Pourquoi tu te plains, Dante? Alors, deux routes possibles. Mais même aujourd'hui, quoi, même avec le décalage du temps, des graphismes. Franchement, ça claque sa race, quoi. Seulement à la moitié. Eh ben bravo. Alors par contre, faut pas que je me mette trop près du mur parce que sinon je saurais pas. Quand est-ce que... Voilà. Quelle couleur je dois utiliser ? Voilà. C'est tout ? C'est tellement classe. Alors ? Devant.
where it gets interesting. Do you like it with the lights off? Alors, j'ai une idée de comment gérer cette situation. Oui, mais je n'ai pas pris Fireworks. J'ai une autre idée pour faire ça. C'est extrêmement satisfaisant. Mundus has been looking for you ever since he first laid eyes on you. You remember that night, don't you? I can't wait to see his face when I show up with your scrawny corpse. Pourquoi ça sert cette plaque? Serait-il un secret? Non, c'est la bonne plaque. Ah voilà, c'était le passage au secret pour pouvoir faire ça. T'inquiète pas, âme perdue. Je vais te délivrer à coup de poing. Car je suis comme ça, je suis super gentil. Tellement Des mobs. Ah oui! Bonjour! J'ai pas compris qu'est-ce qui fait que des fois je peux les frapper et des fois pas. Et eux, comment je fais pour te taper? Quel est le truc? Je te laisse attaquer et que je contre. Ça, je pense que c'est une histoire de je te laisse attaquer et je te contre, mais... Ouh, ça fait mal ça. Oh, ça fait super mal. J'arrive jamais à te taper complètement quoi. À chaque fois tu t'enfuis parce que tu vois que tu vas crever. Belle mentalité. Oui, je mange ail, ok. Cette séquence est vraiment très agréable. Déjà, je me rappelle la première fois, elle m'avait mis une claque. Bon, ben, it is time to taper le boss, je crois. Non, encore une petite séquence avant. Avec un petit passage ici là qui a l'air d'être... Mais oui, bonjour. Ah, c'est ballot. Mais... Alors, le petit checkpoint, c'est toi là-bas. Tu n'es pas là par hasard. J'ai un peu peur de me jeter dans le vide, mais allez, YOLO. Mm-hmm.
Salut, t'étais bien planqué toi. Voilà, je suis comme ça. Je crois que c'est bon, j'ai fait tout le tour. Alors... je suis pas encore à 5000, je crois que c'est 5000 pour avoir, voilà, de la vie en plus. Voilà, ça pourrait être utile. Ben, let's go. Un peu de vie. Et... Murder on the dance floor again. Ah non. Désolé, elle m'a perdu. C'est pas du tout toi que je voulais... Avoiné à toute flingue, c'était les petites araignées. Comment XP gratuite. Non mais faut arrêter d'énerver Dante quoi. Ça me rappelle la blague dans John Wick. Qui est en gros, tout le monde passe son temps à dire il faut vraiment pas énerver John Wick. Arrêtez d'énerver John Wick. Il ne faut pas contrarier John Wick. Et après, les gens contrarient John Wick et ils meurent. Depuis le début de ce jeu, il y a quand même une grosse tendance de la part de Dante à péter la gueule de tous les gens qui s'opposent à lui. Faudrait comprendre. Arrêtez de chercher Dante, arrêtez de mal lui parler, de se moquer de lui. Donc toi, avec ton alien dans le bide là, tu vas te faire taper. Allez, Ariel Dombal, viens te battre. Encore m'envoyer des mobs? Est-ce vraiment nécessaire? Ghost Rage. Bah oui, mais c'est toi que j'ai déjà tapé dans le... Maintenant, je sais que tu es vulnérable. Au coup de poing, je vais faire plaisir. Voilà. Blood Rage. Alors, je viens de passer 4 heures à me battre contre vous. Nous connaissons déjà. Tiens, je t'envoie une autre. C'est ça. En fait, une fois qu'on comprend le truc, c'est pas si dur. Beach Magnet, c'est drôle parce que en fait, Beach, ben, en fait, ça veut dire chien femelle, tu comprends? C'est la blague. Arrêtez! Bon, faut bien commencer par un et ce sera toi. Ah oui, puis quand il est énervé, lui il se transforme en Sonic. Bon, ça, ça fonctionne. Allez. Your turn, Barbie. Ah bah on n'aura pas le combat de boss. Ce sera pour après. Eh bah écoutez, à part... cette séance d'enfer dans la salle bonus, ce niveau était incroyable. C'est vraiment pour moi un des niveaux qui fait que... Enfin, même si on est fan du premier Devil May Cry de la première série et qu'on trouve que cette série est un blasphème, enfin... Juste, c'est pas grave en fait, quand on est face à une telle qualité d'inventivité, de level design, de graphisme, d'ambiance, de conditions pour gagner un combat avec le sol qui t'oblige à jongler entre les deux gâchettes, et ben faut juste reconnaître la qualité du truc quoi. C'était super. Donc voilà, les puristes, vous êtes tout pourris du cul. À toutes.